Et salut à tous, c'est Ferlix et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto comment faire de belles routes sur Minecraft. Comme celle qui est derrière moi par exemple. On va pas s'intéresser à la décoration mais plus à la forme de les routes. Par exemple les faire en courbé comme ceci ou tout simplement faire les tracés comme si les tracés blancs, faire des ronds-points, etc. On va voir ça tout de suite dans ce tuto. Si cela vous plaît, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu et vous abonner, mais ça c'est facultatif évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et donc on va commencer par prendre les différents ingrédients, entre guillemets. Donc moi je prends du béton, donc béton blanc, béton noir. Ensuite pour les contours de la route, moi je vais avoir tendance à prendre plus les dalles, donc des dalles en pierre, comme celle-ci par exemple. Et pour faire les trottoirs, parce que moi je vais faire des trottoirs, après c'est pas obligatoire, mais je vais faire des trottoirs personnellement. Je prends de la pierre, on peut prendre aussi de la pierre taillée. Je sais pas lequel est le meilleur, mais en tout cas moi je conseille les deux. Et du coup, pour faire les bordures entre la route et le trottoir, moi je prends des feuilles. Après, ça c'est facultatif, c'est-à-dire que moi je fais comme ça, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Donc pour commencer, on va faire une route droite, ça va être tout simple. Donc on prend 5 de largeur pour une route. Voilà, tout simplement. On va en faire une petite, hein, on va faire juste ça, comme ça. Puis après, bah voilà, je vais faire un rectangle en gros, hein, tout simplement. J'ai juste été de faire n'importe quoi. Je vais du coup remettre de l'air. Ouais. Voilà. Donc voilà, je fais un petit bout de route comme ça. Et donc là, je vais donc d'abord commencer par faire deux lignes noires de chaque côté, comme ceci. Voilà, parce que au milieu, on va faire une petite alternance entre le noir et le blanc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets deux noirs, plus deux blocs blancs, etc., etc. Et voilà, on a déjà notre base de la route. Donc ensuite, je vais juste rajouter ça pour avoir deux blocs noirs d'affilée pour que ça soit centré. Voilà, c'est nickel comme ça. Sur les bords, on va mettre les feuilles comme ça, tout simplement. Puis ensuite, on va creuser deux lignes comme ceci. Hop, on va laisser l'herbe comme ça. Et faire ça des deux côtés pour faire les trottoirs, tout simplement. Voilà. Et merde. Alors, tac, voilà. Et ensuite, on met la pierre. Voilà, tout simplement. Alors, ou la pierre taillée, du coup, hein, c'est comme vous voulez pour les trottoirs. Moi, je fais juste la base, hein. Après vous utilisez des blocs que vous voulez. Si vous utilisez de la laine pour la route, vous utilisez de la laine. Si pour les bordures, les feuilles vous ne plaisent pas, vous ne faites pas de feuilles, etc. Et ensuite, moi je termine par les dalles de pierre lisse que je mets sur les côtés du trottoir. Tout simplement. Et voilà la base de la route, comme ici, tout simplement. Maintenant, imaginons qu'on veut faire un passage piéton par exemple. Alors, on va reprendre la même route, je vais juste casser. Pour faire le passage piéton, moi ce que je fais c'est que je casse trois blocs comme ça. Donc là c'est pour faire le passage. Je mets le béton noir ici. Voilà. Enfin, ce sera pas vraiment du béton noir. Tac, j'enlève ça parce que je vais faire le passage piéton. Donc va falloir bien sûr réajuster. Ce que je fais, non, c'est que je mets du blanc ici. Et donc je reproduis le passage piéton comme dans la vraie vie, quoi. Voilà, tout simplement comme ça. Et ensuite, bah, si je veux faire la route, ce que je fais, c'est que je vais me mettre là, et je vais avancer de deux, je vais essayer deux blocs noirs, puis remettre du blanc, comme ça. Et faire pareil de l'autre côté. Bon, là, je ne peux pas, parce que, bah, elle est pas assez grande, la route, faudrait que je l'agrandisse. Voilà, tout simplement comme ça. Crotte. Simplement. Et voilà. Tac. Tac. Bon, je vais terminer le trottoir pour que ça fasse joli. Et puis voilà, ça va donner donc une route avec un petit passage piéton, un peu plus détaillé comme ça. Et ensuite, on va aller voir les courbes, comment faire ces courbes, les virages donc, faire bien les virages pour que ce soit assez joli. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple. Donc voilà la route, j'ai terminé. Voilà. Alors, comment faire ces sortes de courbes que je fais ici et bien les faire? C'est un petit peu des mathématiques. Et donc là, on a aussi un rond-point par exemple. Donc voilà, je vais montrer ça tout de suite. Ça vous permettra d'apprendre comment on fait des cercles parfaits sur Minecraft. Parce que mine de rien, c'est pas quelque chose qui est super facile. Pour commencer, on va reprendre cette route. Donc on va laisser deux
d'espace avec le dernier tracé. Donc là, je vais refaire le bout de trottoir, etc. Voilà. Imaginons qu'on veut faire un virage. Alors, pour faire un virage, ce qu'on va faire, pour que ça fasse quelque chose d'assez arrondi, ce que je fais, c'est que on va se décaler et on va faire deux comme ça, puis un. Puis en fait, on va refaire deux, mais dans l'autre sens, comme ça. Vous voyez, ça fait une forme assez arrondie. Puis ensuite, on va terminer en reprenant la route normale. Voilà, donc ça nous donne ça. Et ensuite, on va devoir faire un virage avec l'autre côté. Et c'est là où c'est plus compliqué. Déjà, on va partir de là. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, comme d'hab. Pour faire la largeur de la route. Mais là, ce qui va être plus difficile, c'est qu'il va falloir donc faire l'arrondi au bon moment. Et pour cela, on va reprendre l'exemple de mes routes. Parce que ça va être beaucoup plus facile comme ça. Parce que je vous avoue que c'est assez compliqué. Alors, si j'en ai fait un déjà, parce que je ne pense pas en avoir fait un. Bon, eh ben on va le faire en direct, ça sera plus simple. Donc, pour faire un bon virage, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va faire un tracé perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on va juste faire comme ça. Voilà. Ensuite, avec cela, donc on va casser petit à petit. Faire casser 1, 2, 3, 2, 3, 4, comme ça. Même 5, je pense qu'on va pouvoir faire. Et comme ça, ce qui va me permettre de savoir si c'est bon. Donc, si je refais le même tracé, comme ça, et bah c'est nickel. Je pense que c'est peut-être un petit peu trop... comment dire? Un petit peu trop large. Parce que, oh, quoique. Non, on peut laisser comme ça. Donc voilà. Donc en fait, la technique pour faire un bon arrondi, c'est de faire d'abord la perpendiculaire, puis ensuite de refaire la même forme que celle-ci. Pour que ce soit parfaitement aligné. Maintenant, il suffit juste de savoir comment faire les tracés. Donc là, moi, je recommande d'abord de faire un tracé normal. Donc, refaire un pareil. C'est-à-dire qu'on va reprendre, vous voyez, par rapport à ça. Et bien, on va se remettre ici, par rapport à ça. Et on va le faire au milieu, comme ça. Voilà. Ensuite, pour faire l'arrondi, on va laisser deux d'espace. Et on va tout simplement faire tac. Tac. Et tac. Et voilà, tout simplement. Ça va faire un tracé en diagonale. Mais bon, au final, si je fais, je vais pas faire tout le béton noir parce que ça va être un peu long. Mais voilà ce que ça donne. C'est nickel. Maintenant, on va voir pour les trottoirs. Pour les trottoirs, on va d'abord mettre la pierre, du coup, comme ceci, en laissant deux d'espace, sauf aux endroits où ça tourne justement. Par exemple ici, on va rajouter un bloc là aussi et là aussi et même là, voilà, comme ça on a un trottoir qui reste quand même assez grand. Puis ensuite on peut tout simplement terminer en mettant les dalles. Et si on regarde bien, on a presque le même pattern par rapport aux dalles, pas tout à fait mais on l'a presque. Voilà pour ce trottoir. En gros, faut juste reprendre la forme de la route. C'est-à-dire que là par exemple, je vais juste longer la route, je vais juste faire comme ça. Là, on va laisser deux d'espace comme d'habitude. Puis ensuite, quand ça va tourner comme ça, le premier, on va faire 3. Puis ensuite 2. Oh, je peux même faire en deuxième, je pense. Parce que là, le souci, c'est que comme ça va beaucoup tourner, je pense que je vais devoir ajuster. Voilà. Tout simplement comme ça. Et là, voilà. À chaque fois, je vais... je vais rajouter un bloc de plus. Mais là, je pense qu'on est pas mal. On a peut-être un petit peu le pattern encore. Je vais regarder si ça le fait bien. Voilà, c'est nickel. On a un pattern plus diagonal. Mais il nous reste toujours ces deux de chaque côté. Et voilà. On a notre virage. Bon, j'ai pas mis le béton noir, mais il suffit juste de remplir avec le béton noir ensuite. Et voilà. Maintenant, si on veut faire un truc comme ceci. C'est-à-dire un virage, mais la route reste quand même droite. Et on veut juste faire un virage, une sorte de carrefour. Voilà. Et bah là, on va devoir faire autrement. On va reprendre cette route encore une fois. Je vais enlever le passage piéton cette fois-ci. Voilà. Et donc, on va essayer de faire ce virage. Alors, juste, je vais remettre ça comme ça. Et voilà. Je vais juste remettre le jour parce que bien sûr, bon, là, le temps passe. Hein. Voilà.
Et donc, on veut faire la route. Alors, premièrement, on va devoir casser ce trottoir. Parce que nous, on veut faire le virage. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder par rapport à ce modèle-là. Par exemple, je regarde la largeur. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et oui, il faut beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc là, on va reprendre ce petit truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je vais reprendre un peu de l'autre côté. 14 et 15. Nickel. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais reprendre le modèle parce que c'est super compliqué de s'en souvenir. Et on va refaire ce même pattern. 2, 1, 2, et après on reprend la route. C'est nickel. Donc là, on refait ça. 2, 1, attaque. 2, 1, 2. Et on reprend la route. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On laisse 5 d'espace pour faire la route comme d'habitude. 2, 1, 2. Et on reprend la route. Tout simplement. Ensuite, on va remplir tout ça avec du béton noir. Et ensuite, on verra les tracés pour la route. Je vous laisse passer cette séquence de la vidéo où je vais remplir au béton noir si vous voulez. Bon, je vais pas remplir plus loin que ça. Voilà. Ensuite, donc là, je vais refaire les tracés parce qu'on les avait enlevés quand on a fait le passage piéton. Voilà, tout simplement. Et donc, si je veux faire une route nickel pour que ça tourne, on va se placer au centre, à cet endroit-là, là où il y a les deux feuilles. Puis on va juste faire tac et tac. Et voilà. Et ensuite, on reprend le même pattern, comme celui-ci. On va laisser deux d'espace. Et voilà. Tout simplement pour cette route-là. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne à la fin. Donc voilà notre route au final, qui commence quand même à avoir pas mal de détails. Mais maintenant, il va falloir faire un rond-point. Alors, un rond-point, on va reprendre ce même modèle du 2, 1, 2, et on reprend la route. Voilà, comme celui-ci. On va refaire la même chose que là, ce que je viens de faire, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais reprendre ce pattern et je vais exactement le recopier de l'autre côté de la route pour faire un rond-point. Voilà. Donc là, je vais un peu agrandir jusque-là, comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Puis ensuite, on va reprendre la technique. Donc c'est le 2, 1, 2. Et on reprend la route. Et ici. Voilà. Tac. Et là. On fait 2 1 2 et on reprend la route. Bon là malheureusement ma courbe on va l'enlever du coup parce que elle ne va plus nous servir. Et voilà. Moi j'ai déjà fait cette courbe là parce qu'on a fait le virage tout à l'heure. Donc là maintenant on va devoir enlever tout ça. Évidemment, puisque le rond-point, ça va modifier les tracés. Je vais juste refaire le béton noir ici. Vous pouvez encore passer cette séquence le temps que je mette le béton, évidemment. Voilà, c'est nickel comme ça. Voilà, donc là on a une forme de rond-point déjà. Comme vous pouvez le voir, on a bien 4 sorties. Maintenant, il va falloir faire le cercle. Le cercle, on va se mettre en face du centre de la route, donc là où il y a le tracé blanc. Et on va se placer vers le milieu. Tac. Là, on est au milieu parce que je vise le centre de chaque route. Donc c'est le centre, c'est ce bloc-là. Donc ensuite, on va partir de là. On va faire une croix pour se repérer. Puis, tac. Une sorte de mini-cercle comme ceci. Et ensuite, on peut enlever la croix. C'était juste pour le moment. Et voilà.
On a notre rond-point. Maintenant, on va voir pour les tracés, comment va-t-on faire? Alors, pour les tracés, on va reprendre celui-ci, en fait, comme sur le virage. Donc là, il suffit juste de faire comme sur le virage, c'est de partir du deuxième bloc. Celui-ci là. C'est-à-dire que quand on dérive la première fois, on prend le deuxième bloc ici. Et on va faire tac, tac et tac. Et on va faire ça de chaque côté. Par contre, faut que je vérifie. Ok, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Ok, je me suis trompé. Tac, tac. Voilà, faut bien que ça rentre dans le rond-point quand même. Et enfin, voilà. C'est que je l'avais décalé de 1 par rapport à l'autre. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, on va juste rajouter ça de chaque côté pour bien qu'on complète le rond-point quand même. Pour bien montrer les quatre sorties de ce rond-point. Que ça c'est bon. Là, voilà. Et voilà. Tac, tac, et voilà. Donc voilà notre rond-point. Tout simplement. Et après, bah au milieu, vous faites ce que vous voulez, une fontaine ou etc. C'est un peu comme ça. Pour les trottoirs, il faudra reprendre la même chose que la courbe ici. Et donc faire bah, un trottoir comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et voilà, on a notre rond-point. Voilà pour ce tuto, je pense que je vous ai un peu tout montré sur ce qu'on pouvait faire avec les routes. Bien sûr, là j'ai rajouté des lampadaires par exemple pour ici, là, avec des capteurs du soleil, donc quand il fait nuit ça s'allume tout seul. Ça c'est que des décos que vous pouvez rajouter sur le bord de la route si vous le voulez. Enfin voilà, c'était Ferlix, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un tuto en particulier. En tout cas, moi c'était mon petit retour sur les tutos, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, donc si vous pouviez m'apporter un petit peu de support, ça serait super. Enfin voilà, c'était Ferlix, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!